Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue l'INSEE. Euh, nous vous proposons aujourd'hui une rencontre virtuelle FLE un, animée par M. l'INSEE-Clanfield et intitulée « Le travail en binôme, le contrôle des foules en présentiel et en ligne ». Cette rencontre virtuelle FLE pose un nouveau regard sur le travail en binôme. L'INSEE va nous donner conseils et astuces pour un travail en binôme réussi et plus particulièrement dans un contexte de cours en ligne il va partager avec vous plusieurs typologies d'activités de travail en binôme et surtout examiner les moments où il est probablement préférable d'éviter le travail en binôme. l'insee collabore régulièrement avec nous en sa qualité de formateur et de conférencier international. il est d'ailleurs intervenu en présentiel, en atelier présentiel sur cette même thématique dans le cadre de la dernière rencontre fle madrid 2023 et il a été Plébiscité totalement par l'ensemble des participants. Et euh, c'est cet énorme succès qui nous a motivés à lui demander euh, d'intervenir en format Rencontre Virtuelle Fleur aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, l'INSEE. Euh, je vous laisse en sa compagnie. Donc, nous, nous, nous nous retrouvons dans environ euh, 50 minutes euh, pour un temps d'échange. Donc, voilà, vous allez avoir le chat ouvert pour pouvoir répondre en direct aux questions que va vous poser l'INSEE. Et si vous avez des questions d'ordre plus général, qu'il serait intéressant de participer en fin de, de partager pardon en fin de session avec l'ensemble des participants vous pouvez utiliser l'icône question-réponse qui apparaît en bas de votre écran et donc la fenêtre qui va aussi apparaître sur la à droite normalement de la présentation voilà merci d'avance Lindsay et, et à tout à l'heure merci merci tout le monde d'être venu euh, je m'appelle Lindsay Lindsay Kleinfield euh, comme vous pouvez Entendre, je, je ne suis pas français, je suis canadien, euh, je suis marié avec une Française, j'habite en Espagne, euh, mais je suis écrivain et formateur de professeurs d'anglais. Alors, mon. mon... Aria de spécialité, c'est l'anglais, mais je, comme a dit Séverine, je participe beaucoup avec Maisons de Langue et euh, avec leur, euh, leur autre éditorial diffusion pour des, des formations en espagnol aussi. Alors, je vais partager mon écran là. Euh, je suis très content de voir tellement de monde de différents pays. Je crois qu'on est, d'après ce que j'ai vu, il y a au moins trois continents. Euh, que, qui, qui sont là. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui nous rejoint depuis l'Europe, d'Amérique de, latine. J'ai vu plein de gens, euh, des États-Unis, euh, Mumbai, j'ai vu, Japon. Alors, euh, bonsoir, bonjour, euh, dépendant où vous êtes. Et euh, on va commencer. J'espère que tout le monde peut voir mon écran. Je vois le chat. Je vais... Euh être en train de des fois vous demander des choses mais je vais peut-être pas tout voir dans le chat en même temps parce qu'il y a on est quand même 200 là alors pour des questions plus générales euh, veuillez utiliser le Q&A le question réponse là bon alors commençons euh, je comme je disais je suis euh, professeur de langue anglais euh, j'écris des méthodes aussi en anglais euh, je travaille avec Maison de Langue en tant que formateur. Récemment, j'ai aussi eu le plaisir de regarder un de leurs méthodes, duquel je vais utiliser certains exemples dans cette présentation de Prêt à Parler, que c'est une méthode très communicative. Alors, ça se porte bien pour le thème que je vais aborder aujourd'hui, qui m'intéresse depuis un moment, surtout depuis la pandémie. C'est le travail en binôme euh, et euh, surtout présentiel, mais aussi en ligne. Alors. Um, je veux commencer par un petit sommaire. Uh, pourquoi faire le travail en binôme? Quand est-ce qu'on devrait le faire? Quand est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Après, je vais uh, partager certaines astuces et stratégies que j'ai expérimentées, j'ai eu l'expérience moi-même et aussi que j'ai vu des autres professeurs de différentes langues faire, que fait que ça réussit beaucoup plus un travail de, de, en binôme. Um, des activités et des variantes sur des activités connues peut-être euh, avec des petites différences euh, qui va faire euh, de donner du répertoire pour vos activités euh, en binôme euh, que vous pouvez faire depuis un livre ou que vous pouvez créer vous-même. On va parler un peu du travail de binôme en ligne et les, euh, les célèbres breakout rooms que je suis tout je suis sûr que vous êtes tous l'habitude des breakout rooms ou bien en Zoom ou en Google Meet ou, ou Teams et peut-être si on a un peu de temps des activités que je vais partager que j'aime faire avec des dialogues qui se portent très bien les dialogues dans les livres les dialogues qu'on fasse nous-mêmes euh, ça porte très bien à des activités de travail en binôme alors on verra si on a le temps de faire tout ça et avoir des questions euh, à la fin. Alors, euh, la première chose que j'aimerais aborder, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on fait le travail en binôme. C'est tellement l'habitude maintenant de toute méthode de langue communicative, avec soit des adultes ou des enfants ou tout ça, depuis environ 30, 30 ans, 20 ans. Le travail en binôme, c'est ça fait partie de, de ce qu'on fait tous les jours. Mais je voulais voir un peu pourquoi on le fait ou pourquoi pas le faire. Et une des raisons pour lesquelles je pensais ça, c'était parce que quand je fais des présentations comme ça en présentiel, dans des conférences euh, de professeurs, j'ai remarqué des fois, je demandais aux professeurs de faire un travail en binôme eux-mêmes. Alors on est tous professeurs de langue. En principe, on devrait cette partant pour faire des choses qu'on demande à nos élèves. Et je remarquais des fois qu'il y avait des professeurs, certains enseignants, ils n'aimaient pas le travail en binôme dans les ateliers. C'est-à-dire, quand je leur demandais, quand je vous demandais de faire des activités en binôme euh, pour reproduire ce qu'on fait en classe, je voyais des fois des professeurs qui regardaient leurs pieds ou qui ne voulaient pas et tout ça. Et je pensais toujours que c'était bizarre. Et ça m'a fait penser beaucoup de raisons pour, pour lesquelles. Pourquoi certaines activités ne vont pas marcher avec des groupes que, soi-disant, en principe, devraient être très, très pour faire le travail en binôme? Alors, si on était plus petit, je vous demanderais de partager si vous aimez, vous ou pas, faire le travail en binôme en classe en tant qu'étudiant. On n'a pas la capacité de faire ça vraiment. Alors, je vous demande seulement d'y réfléchir. Et je vais commencer avec des raisons pourquoi pas l'utiliser. Alors, par exemple, une des, un des raisons pour lesquelles on pourrait peut-être penser éviter de, euh, de faire des activités en, de travail en binôme et du point de vue du professeur et du point de vue des élèves, des fois les élèves ou les professeurs pensent que c'est une perte de temps. Certains élèves préfèrent toujours écouter le professeur. C'est-à-dire, pourquoi je parle à mon partenaire qui parle pas très bien le français, comme moi, je préfère écouter le professeur ou parler au professeur. Et c'est une perte de temps, j'apprends pas. Ça c'est une raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est des choses que j'ai entendues. Il y a une tendance et je ne sais pas dans le fleu, mais certainement dans le euh, enseignement de anglais. Il y a une tendance des fois peut-être à surutiliser le travail en binôme. C'est-à-dire, on, on va le voir plus tard dans l'histoire de le développement des différentes méthodes, comme il y a 20 ou 30 ans, il n'y avait presque pas de travail en binôme et maintenant on peut l'utiliser pour tout. Ce qui amène des fois des gens à penser peut-être est-ce qu'on surutilise le travail en binôme On fait tout, ils font tout en binôme, c'est toujours maintenant avec le partenaire, etc., etc. Est-ce qu'on le fait trop des fois, une raison pour laquelle les gens vont peut-être éviter le travail en binôme ou pas trop, ou les élèves n'aiment pas, c'est des problèmes interpersonnels. Alors, si vous, surtout ça, c'est, je trouve, avec des enfants ou des adolescents, s'ils veulent travailler, ils veulent pas travailler avec celui qui est à côté. Ils s'entendent pas bien ou ils, ils ont la honte de parler dans une autre langue, etc. Alors, des fois, les problèmes interpersonnels, ça, ça, ça fait qu'on perd l'envie de faire euh, ce travail comme ça. Une autre chose que j'ai constatée en regardant beaucoup de classes de langue, c'est que des fois, le travail en binôme, ça ne marche pas si bien si les, si les élèves même ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire le professeur donne les expressions très vite, il les met en binôme et les élèves ne savent pas quoi faire tout tombe à l'eau, il y a beaucoup de silence, le professeur commence à devenir très nerveux et passe à une autre chose euh, sans laisser développer l'activité ou sans avoir donné des bonnes instructions. Des fois, on demande, j'ai euh, déjà vu des activités en binôme où les élèves sont obligés à demander des questions l'un à l'autre. Ouais? Et ça, ça se passe des fois dans les ateliers. Et quelquefois, si les questions sont pas très naturelles. Et on ne se connaît pas très bien entre nous, ça fait que l'activité aussi, ça peut tomber à l'eau. Par exemple, j'étais dans un atelier où on devait, en premier truc, l'animateur nous a demandé de partager une histoire de quelque chose qu'on fait de très mal dans la vie. Alors, je connaissais pas la personne avec qui j'étais. C'était très... Euh, on était un peu mal à l'aise de partager quelque chose de si personnel au début sans se connaître. Alors, si ce n'était pas naturel... Ça n'allait pas très bien marcher. Là, on arrive plus sur des situations de classes très grandes, des classes adolescentes des fois. Pourquoi les autres professeurs qui sont pas de français ou de fle, je veux dire, ou de anglais ou de langue n'utilisent pas beaucoup le travail en binôme Ça devient difficile à contrôler. Et les professeurs qui ont pas, qui sont nouveaux à la profession, des fois, ils ont du mal à le à contrôler, ils savent pas parce que tout le monde ils savent pas s'ils vont parler dans leur langue, s'ils vont s'ils vont bien faire les choses ou s'ils vont faire quelque chose d'autre. Alors ils ont peur de perdre le contrôle. Alors voilà, j'ai donné plein de raisons pourquoi pas l'utiliser. Alors pourquoi on pourrait l'utiliser Une des grandes raisons que c'était une des piliers de la méthode communicative dans la classe de langue, c'était il y avait une augmentation de temps pour la parole des apprenants. C'est-à-dire que si chaque élève seulement pouvait parler avec le professeur, il, euh, il n'allait pas avoir assez de minutes dans la classe pour que tout le monde parle. Tandis que si on travaille en binôme, il y a plus de temps pour parler. Um, il y a une expression en anglais Two heads are better than one. Deux têtes valent mieux qu'une. Ça aussi, pour faire. Euh, des idées pour euh, partager des idées, pour essayer de faire des, excès, des activités, des exercices et tout ça. Des fois, on pense que c'est mieux si on travaille avec quelqu'un d'autre pour résoudre un problème, par exemple. De notre façon, euh, le travail en binôme, ça on a beaucoup écrit de ça dans la méthode d'anglais, ça donnait d'autonomie aux apprenants, c'est-à-dire il faut leur laisser commencer à développer eux-mêmes sans qu'on leur tient toujours la main. Alors euh, ça leur donne un peu d'autonomie qui commence à parler entre eux. Aussi, curieusement, de travailler en binôme, des fois ça peut donner la chance à l'enseignant de pouvoir évaluer et travailler avec chaque apprenant. Si je vous donne tous un travail en binôme, moi je peux circuler ou dans les breakout rooms, je peux aller de room à room et regarder, écouter et travailler un peu avec ceux qui ont plus de difficultés. Ça favorise la coopération. On va voir dans l'histoire de l'enseignement de langue, comme ça, c'était aussi très important, par exemple, dans l'anglais dans les années 60. C'était un grand truc qu'ils voulait euh, promouvoir. Et il y a aussi, euh, dans l'étude linguistique, ils pensent beaucoup, pensent maintenant que c'est ainsi que les gens apprennent, qu'ils apprennent en parlant. Et en parlant avec la communication, ça en, en, en le faisant. Alors, ça, c'est des raisons pourquoi l'utiliser. Alors, pour vous dire, je vais commencer avec un peu de la théorie et de la patience, parce qu'après, on passe à tous les trucs pratiques que vous, vous allez pouvoir utiliser. Je voulais simplement parler un tout petit peu de cette idée que c'est ainsi que les gens apprennent. Alors là, je ne parle pas d'experts de en fleuve, mais des experts en dans ma domaine de l'anglais, qu'ils ont beaucoup étudié l'apprentissage de langue, surtout au Canada. C'était beaucoup étudié dans les écoles bilingues au Canada et au Québec et dans le Canada anglais, euh, comment les gens apprenaient la langue et comment ça favorisait euh, l'interactionnel. Alors, l'hypothèse interactionnelle, c'était que c'était essentiel peut-être pas suffisante, mais essentielle pour l'acquisition d'une deuxième langue. On ne pouvait pas seulement l'apprendre en lisant ou en écoutant. Il fallait faire l'interaction conversationnelle avec l'autre. Ça, ça a été récemment redit encore dans la marque, des, le marque européenne de l'apprentissage des langues, le Common European Framework, parle beaucoup de cette importance de, de l'interaction conversationnelle. Ça aussi, ça lie à une perspective socioculturelle. Que, du travail très important d'un un expert, Lev Vygotsky, qui soutenait que les élèves peuvent s'apprendre l'un de l'autre. Du moment qu'un est un petit peu au-dessus de l'autre, ils peuvent s'apprendre l'un de l'autre aussi. Alors ça, c'est une perspective socioculturelle sur l'apprentissage de langue qui, qui maintenait que les gens peuvent apprendre en parlant un avec l'autre. Et ça s'appelait aussi le dialogue collaboratif. C'est-à-dire en communiquant, en communiquant l'un avec l'autre, si on parle ni l'un ni l'autre, on parle très très bien la langue, on collabore pour ainsi améliorer et apprendre de nos erreurs. Alors voilà, je voulais par exemple dans les méthodes d'apprentissage de, de langue, comme ça a changé. Aux années euh, 60, les livres aux années 60, et là j'ai un exemple d'un livre d'anglais, un des plus populaires des années 60, mais euh, on me dit que les livres de Fleu aussi de l'époque étaient un peu pareils. Il n'y avait pas d'instruction dans le livre pour les travaux en binôme. C'était vraiment euh, que écrire des choses ou dire des trucs, mais on ne savait pas le professeur, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qu'on fait en binôme ou est-ce que c'est tout. Le professeur qui parle et tout le monde qui répond en chorale ensemble. Tandis que maintenant, les, les méthodes plus modernes, beaucoup plus modernes des derniers 20 ans, 30 ans, les méthodes plus communicatives, c'est partout. Alors, par exemple, ça, c'est un exemple du livre Prêt à Parler, qui, qui est de Maison de Langue, que j'ai pris une page à hasard, comme ça. Et tous les petites lignes rouges, c'est des endroits dans le livre, dans une page seulement, où on s'attend que les élèves parlent un avec l'autre, qu'ils parlent en petits groupes ou à deux, etc. Oui? D'ailleurs, ce méthode, ils disent que ça permet de communiquer en français dès le premier cours. Ça, c'est différent d'il y a 30 ou 40 ans, que les premiers cours, peut-être les élèves seulement écoutaient, ils disaient un ou deux mots, ils répétaient tous ensemble. Là, maintenant, le, le méthode beaucoup de communicatif, c'est même si on n'a pas beaucoup de niveaux, on peut commencer à parler dès le début. Um, et ça, c'est... Ça s'appelait aussi la proposition Parlons pour l'enseignement. Ça, c'est basé sur le travail de deux linguistes canadiens, Lightbown et SPADA, qui avaient dit que c'était aussi comme ça que les gens apprenaient. Que les, comment, euh, les commentaires clairs et les interactions étaient essentiels pour les élèves. C'est-à-dire, c'était très important que le professeur explique les choses et fasse des commentaires. Mais c'était les interactions conversationnel qui était essentiel pour que les élèves puissent développer la langue. Um, et en faisant ça, ils négociaient, pour, et en négociant entre eux, en parlant, ça, ça, ça faisait comme des négociations, et comme ça, ils acquisaient les formes linguistiques. Pardon pour mon français que je massacre quelques termes-là. Um, et il y avait des différents styles d'interaction dont ils parlaient. Par exemple, un style d'interaction collaborative, c'est celui que, qui marche très bien. Ça, c'est quand on donne un travail et tout le monde le fait en binôme, mais chacun des, des apprenants s'implique, c'est-à-dire les deux élèves euh, s'impliquent dans le dialogue. Il y avait un qui était moins bien, c'est quoi, dans le travail en binôme, c'est ces dominants et dominants. Ça, ça se passe quand les apprenants veulent pas dialoguer. Entre eux, c'est-à-dire, moi je veux parler et l'autre veut parler, et c'est un dominant, un autre dominant, et ils ne s'écoutent pas entre eux. Chacun veut, veut le faire sous les réponses, et beaucoup de fois, ils sont en train de regarder le professeur pour que le professeur euh, leur écoute. Il y a un autre modèle, le dominant passif, où un, un élève domine et l'autre cède. C'est-à-dire, on connaît tout ça, un qui va parler et l'autre élève qui ne dit pas grand-chose. Alors, il faut faire des tâches. Qui oblige chacun à parler. Et Il y a une autre méthode, le expert novice, où il y a un ils font le dialogue, mais un est beaucoup mieux que l'autre, donc il aide son partenaire. Alors voilà, ça c'était euh, les différents modèles qu'ils ont observés dans des classes. Et les deux en rouge, collaboratif et expert novice, c'est les styles d'activité qu'on veut que ça déroule comme ça. Ces choses-là faisaient que les gens apprenaient plus la langue. Alors, une autre question là, et je n'ai pas le chat ouvert, j'ai vu que les gens ont écrit, ah oui. Um, uh, une autre chose, c'est, il y avait certains professeurs, en laissant le travail en binôme, il y avait toujours le peur, et si les élèves apprennent les erreurs l'un de l'autre, c'est-à-dire en anglais, je sais qu'il y avait beaucoup de professeurs euh, au début qui avaient peur, si je laisse les deux élèves parler, ils ne vont pas apprendre le, les erreurs l'un de l'autre, et encore, les investigations sur le sang, euh, qui étaient beaucoup liées au Canada, ils n'apprenaient pas les erreurs. C'est-à-dire, les recherches ont, ont montré que les apprenants ne produisaient pas nécessairement beaucoup plus d'erreurs dans leur discours quand ils parlaient à des autres apprenants qui avaient un niveau similaire que lorsqu'ils parlaient avec des autres qui ont un niveau plus avancé, ou le professeur. Alors, c'est-à-dire que... Ce n'était pas forcément vrai, si vous avez déjà entendu ça, que s'ils sont deux de niveau très bas et se parlent ensemble, qui vont apprendre l'erreur, ils vont internaliser les erreurs et ils vont les reproduire après dans, dans le langage qu'ils produisent. c'est pas vrai. Mais, toutefois, ils ne peuvent pas échanger les informations à corriger. Et là, le soutien, c'est important que le professeur soit là pour essayer de les aider à... C'est-à-dire, ils ne ils, ils reproduisent pas les erreurs de leur partenaire, mais... Ils peuvent pas forcément corriger l'un l'autre s'ils sont du même niveau. Alors beaucoup de fois, comme je disais dans les méthodes, maintenant on voit partout euh, le travail de en binôme. Au début c'était que pour s'exprimer, pour euh, l'expression orale, des activités orales. Maintenant c'est pour le travail linguistique, c'est aussi pour les travaux de lecture, c'est pour l'écrire, c'est pour les travaux de euh, écouter à des textes. On peut faire tout des choses comme ça en binôme. Ce qui m'amène des fois à penser, est-ce que des fois si les élèves, ils, ils commencent à mal réagir, c'est parce que peut-être ils ont eu beaucoup en classe que c'était tout en binôme, en binôme, en binôme. Donc déjà, moi, j'essaie de faire, un, si j'ai fait un ou deux activités en binôme, de faire quelque chose d'autre où ils ont besoin d'écrire ou écouter le professeur ou faire quelque chose tous ensemble sans être trop, euh, trop d'activités à la suite en binôme. Um, un style d'activité qui a eu beaucoup de succès dans le méthode communicatif, ça s'appelait, et je ne sais pas comment le traduire en français, euh, le, le, en anglais, ça s'appelait le méthode jigsaw. Jigsaw comme d'un puzzle, pour faire un puzzle. Un jigsaw, c'est quand un élève, par exemple, a une information et l'autre a de l'autre information. Ils ne peuvent pas voir, et ils ont chacun besoin de faire quelque chose avec leur information et après se mettre ensemble. Voici un exemple d'une activité vidéo où euh, ils font un peu Jigsaw. C'est-à-dire, dans le B, ils disent à deux, choisissez un bonhomme rose ou bleu, regardez une nouvelle fois et cochez les actions de votre bonhomme. Ensuite, racontez ce que votre bonhomme a fait à la première personne. Donc, chacun a quelque chose de différent qui regarde. Ou dans ce cas d'une vidéo ou qui vont lire dans le livre ou qui vont écouter et après ils se mettent ensemble pour collaborer, pour reconstruire l'histoire. Cette activité Jigsaw a une histoire très intéressante parce que ça a commencé dans les années, enfin le nom Jigsaw et la méthode, c'était à l'origine euh, euh, des années 50 et 60 aux États-Unis quand ils essayaient de déségrégiser. Les, les classes. Que les, les classes, euh, ils voulaient mélanger les classes avec des élèves de différentes races, euh, les garçons et les filles, et mettre ensemble. Et il y avait beaucoup de fois euh, des problèmes que les élèves voulaient pas se mélanger. Ils étaient ségrégés avant dans, dans les écoles et en déségrégant, ils les mettaient ensemble et les activités, ils voulaient faire des activités qui obligeaient les élèves à collaborer ensemble. Et c'était. Euh, quand ils ont, ils ont étudié ça, ils ont parlé à ceux qui avaient développé ça et qu'ils avaient nommé Jigsaw, le puzzle, um, c'était uh, pour éviter une atmosphère de compétition acharnée et de mener à quelque chose de plus coopératif. Donc, um, par exemple, aux États-Unis, ils faisaient avec une biographie de, de Eleanor Roosevelt, ils faisaient que chacun, chaque élève avait un petit morceau de biographie ou deux élèves, chacun avait un morceau, et après, ils étaient obligés de partager l'information qu'ils avaient pour pouvoir faire quelque chose ensemble, pour pouvoir collaborer. Alors, c'était de l'origine aux États-Unis, c'était pour faire des activités coopératives et utiliser avec des élèves de CM2, de cinquième année, Grade 5, c'était lié à la déségrégation. Après, c'était repris beaucoup dans l'apprentissage et dans la méthode communicative, à devenir un, un aspect très important de la méthode communicative linguistique dans les années 70. Et on avait beaucoup d'activités qui venaient de ça. Et on le voit toujours dans les livres maintenant, le, le jigsaw. Ça, c'est une expression, ça, c'est un, un truc pour voir à Google le mot jigsaw dans le terme linguistique, comme ça a gagné de popularité dans les années 75, 80, 90. Un autre type d'activité, c'était la lacune d'information. Et ça, c'est Là, c'est un exemple anglais. La lacune d'information ou information gap, c'est que par exemple, élève A a de l'information incomplète et élève B a de l'autre information incomplète. ils doivent, doivent travailler ensemble pour compléter la même information. Et ça, c'était un autre exemple classique de travail en binôme pour l'enseignement d'anglais, mais en général, c'est devenu aussi dans le fle, c'est devenu aussi dans l'enseignement le euh, euh, de, de, de espagnol, dans toutes les méthodes qu'ils ont commencé à adopter des méthodes plus communicatives, ont commencé à utiliser ça aussi. Ça, ça vient le, des années 70. Ça, c'est dans le, le terme de anglais, mais ça commençait aussi un peu après dans les autres langues. Bon, j'ai presque fini mon théorie. Et je vais commencer après à, à, à vous raconter des autres activités, des astuces pour faire marcher ces types d'activités dans vos classes. Je vais finir simplement que ces histoires-là de l'importance d'apprendre en parlant l'un avec l'autre, ce n'est pas seulement des années 80, 90, etc. Même tout récemment, euh, le CECR. Euh, a commencé à parler de d'une nouvelle euh, truc qu'ils veulent mesurer c'est l'interaction c'est-à-dire l'interaction des fonctions interpersonnelles collaboratives transa transactionnelles et ça c'est seulement depuis 2016 je crois qu'ils ont introduit ils ont commencé à étudier l'interaction comme en, en anglais on dirait skill euh, pour pour développer comme la lecture euh, écouter parler écrire aussi maintenant, ils veulent dire que l'interaction et la médi médi médiation, c'est aussi deux trucs qui, qui veulent développer plus euh, dans l'apprentissage de langue. Interaction et médiation. Voilà des exemples que j'ai trouvés en anglais de, de types d'activités, des conversations de faire des correspondances, euh, des correspondances en ligne, d'envoyer de des WhatsApp, des trucs comme ça qui, qui veulent maintenant promouvoir comme une autre chose à apprendre quand on apprend la langue, l'habilité de faire l'interaction. Alors, passons maintenant à des choses plus pratiques pour les, utiliser les travaux en binôme. Pour moi, avec une classe, si j'ai une nouvelle classe... Qui n'a pas l'habitude forcément de faire des classes de langue, c'est-à-dire des principants. Je, je, je trouve que c'est très important de bien démarrer et faire des activités dès le début. C'est-à-dire dès le premier jour, je change les élèves de place et des autres jours aussi pour éviter que les élèves soient trop euh, habitués à toujours à être avec la même personne. Si on va faire des activités, des travaux en binôme, je veux qu'ils s'échangent. Euh, avec des autres partenaires, qui ne sont pas toujours collés aux mêmes personnes. Et j'ai trouvé que si je ne fais pas ça la premier jour, c'est plus difficile d'être obligé de changer de place et faire avec quelqu'un d'autre. Alors, je fais aussi dès le début des cours. Après, peut-être une petite activité pour, euh, pour commencer la classe et, et après un ou deux pendant la classe. Um, J'appelle ce que je, ça les, à des activités à faible risque et convergent. Qu'est-ce que je veux dire par ça? de ne pas demander de faire des choses très difficiles ou très personnelles dès le début. C'est-à-dire, par exemple, on va voir des exemples plus tard, une activité convergente, c'est euh, une activité que ça converge sur la même réponse. C'est-à-dire, trouver euh, cinq mots qui, euh, ou cinq noms de fruits euh, que vous avez dans votre frigo en groupe de deux. Alors, ça, c'est quelque chose de pas très personnel ou ou même moins personnel que ça, mais pas des grands choses de raconter sa vie, même le fin de semaine, parler de votre fin de semaine, j'attends qu'ils se connaissent plus avant de faire ça. Des choses très simples qu'ils peuvent faire ensemble assez vite pour s'habituer à parler l'un avec l'autre. Um, en tant que ça aussi, de dire avec un nouvel groupe, de, j'utilise pas des activités qui demandent... De partager des informations trop personnelles ou susceptibles à faire perdre de la face à l'apprenant. C'est pour ça que des fois, je pense que les professeurs, quand ils sont um, en train d'être de demandés de faire une activité dans un atelier, ils ne se connaissent pas les uns de l'autre. C'est pour ça que des fois, c'est ça, ça un échec de l'activité parce qu'ils ont peur de te paraître pas si intelligent ou quelque chose comme ça. Alors, ils sont susceptibles de, de, per, de perdre la face, donc ils ne le font pas. Alors, j'essaie d'éviter ça. Je vais parler de certains exemples. Une autre façon de faire ça que je, je faisais quand j'étais à l'université, il y avait des professeurs qui faisaient une activité. Euh, chaque fois qu'on lisait quelque chose, les prof, le, un professeur que j'avais disait « Maintenant, pensez ». À, à, à votre réponse, il donnait deux, 20 secondes, créer les binômes et partager votre réponse. Et en anglais, c'était Think Pair Share. Pensez, créer les binômes, partager Et il obligeait ça chaque fois qu'on lisait quelque chose ou on pensait quelque chose, il disait, pour, et après, vous allez partager ce que vous avez pensé euh, de la question ou du texte ou quelque chose comme ça. Il faisait ça comme toutes tout les activités, on, on commençait à s'habituer à, à penser et après à faire les binômes et à partager. Autre chose, comment est-ce qu'on peut mettre les élèves en groupe de deux Je ne sais pas vous, normalement, ce, les professeurs, je vois, ils disent, « Bon, toi avec toi, 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 ou mettez-vous en groupe de deux. » C'est-à-dire, généralement, travailler avec la personne à côté de vous. Ça, c'est une façon non aléatoire. Ou, des fois, le professeur va mettre quelqu'un de plus fort avec quelqu'un de plus faible. Oui. Peut-être, on met des apprenants du même âge, de la même langue. À les professeurs qui donnent des classes à, à des élèves de secondaire ou à les petits, des fois c'est on met le moins perturbateur avec le plus perturbateur, c'est-à-dire deux élèves qui sont très perturbateurs du groupe certains professeurs vont pas les remettre ensemble parce que ils vont, ils vont faire beaucoup de bruit ou vont pas faire l'activité, c'est-à-dire on va essayer de séparer les personnalités ça c'est d'une façon non aléatoire il y a des façons intéressantes aléatoires de faire aussi par exemple un numéro au hasard c'est-à-dire euh, des petits feuilles avec des numéros, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Chacun a un numéro, ils ont besoin de trouver l'autre numéro. Ou comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les uns avec les 1, les 2 avec les 2, les 3 avec les 3, les 4 avec les 4, etc. Um, avec les enfants, déjà, je faisais avant des fois par ordre d'anniversaire. Tout le monde se mettait en ligne si je n'avais pas une grande groupe. D'anniversaire janvier à décembre, et après, on travaille avec quelqu'un à côté de nous de l'ordre d'anniversaire. L'ordre de taille, l'ordre de... alphabétique de ton prénom, par exemple. Un professeur que je connaissais avait toujours un jeu de cartes avec lui. Et chaque fois qu'il faisait des trucs en binôme, au début de classe, il comptait le numéro de cartes qu'il avait de ses élèves. Après, il distribuait des cartes à chaque élève. Et ils disait, bon, les piques avec les piques, ou un 2 avec un 2, ou un 5 avec un 5, et, et ainsi de suite, il pouvait faire et refaire des groupes. Une autre euh, activité que moi je faisais, c'était des petits noms sur des petits bouts de papier qui allaient ensemble. Par exemple, Tintin, Milou. Euh, moi, je faisais Batman, Robin. Euh, Tarzan, Jane. Euh, fourchette, couteau. Sel, poivre, etc. Alors, et je, je mélangeais tous les papiers, je distribuais les papiers et les élèves devaient se mettre debout et trouver leur partenaire euh, avec le nom qui, qui allait avec. Et c'était leur, leur partenaire pour l'activité. Euh, on peut aussi essayer de faire par point communs. J'étais dans un atelier, on devait se mettre avec un partenaire qui avait la même taille de chaussures que nous. Ça, c'était un peu rigolo ou, ou ça pouvait être qui était né le même mois ou qui venait de la même ville ou quelque chose comme ça. Et le dernier que j'ai vu, qui était très très sympa, ça demande un peu plus de préparation, c'était euh, un professeur qui mettait des post-it sous les chaises. Et sur le post-it, il avait un petit dessin ou un numéro ou un mot. Il fallait trouver le post-it sous la chaise et après trouver l'autre post-it qui allait avec ton post-it. Alors c'était une façon très très sympa de bouger tout le monde pour leur mettre dans, dans des nouveaux binômes. Je ne sais pas s'il si... y a des choses là. Euh... Ah, quelqu'un parle des applications pour faire ça. Il y a aussi, si vous avez des petits groupes, il y a des applications pour mettre des, mettre des gens en binôme et tout ça. Ça, c'est des façons analogues que je, je partageais là aussi. Euh, une activité euh, flash que si on était tous ensemble, euh, on aurait pu faire. J'ai fait avec le groupe ensemble, mais je vais vous l'expliquer. C'était très simple et très rigolo, mais c'était aussi une activité, un exemple d'activité convergent, que, en binôme, pour euh, se chauffer, je mettais les gens en groupe de deux et je disais, vous allez compter en trois, à trois, ensemble, plusieurs fois. C'est-à-dire, moi, A, et quelqu'un B, moi, je disais un, B dit deux, moi, je dis trois. L'autre personne, un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, je laissais que les élèves faisaient ça deux ou trois fois, ils comptent à trois, ainsi de suite, en alternant. Et après, Répétez l'activité, mais maintenant de 3 à 1. C'est-à-dire, moi, je dis 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ça paraît très, très simple, mais ça devient très difficile. Et j'ai fait ça avec un groupe de professeurs de FLEU. Ils étaient tous niveau excellent de français et tout le monde rigolait parce que même en faisant ça, il faut, il faut penser parce que le niveau change à chaque, à chaque fois. Alors, pour une petite activité très simple, pour, avec des gens de niveau très bas, ça marche très bien. Ouais, je suis sûr que vous allez avoir accès à toute cette présentation après, mais je vous conseille d'essayer celui-là un jour pour euh, se chauffer un peu avec les élèves. Ça, ça va vraiment bien. Um, une autre, pour redistribuer les élèves facilement dans des nouveaux binômes, une chose que j'aimais beaucoup faire, si ça a la possibilité de le faire, c'est faire deux cercles de chaises. C'est-à-dire, on place les chaises de la classe d'une manière de former deux cercles, un à l'intérieur de l'autre. Les chaises sont tournées un vers l'autre. Donc, je suis assis devant quelqu'un et on est dans deux cercles. Il y a deux cercles, un à l'intérieur de l'autre. Après, on fait notre conversation en binôme. Après, le cercle de l'intérieur, c'est eux qui bougent. Ils se déplacent seulement de une personne. Comme ça, le cercle de l'extérieur, ça bouge pas. Ou c'est le cercle extérieur qui bouge et le cercle intérieur qui ne bouge pas. Et chaque fois, on est assis devant quelqu'un de nouveau. Ouais. Um, une autre astuce je vais vite là parce que je vois le temps il passe um, une stratégie par exemple s'il y a un nombre d'impairs d'apprenants c'est à dire si euh, j'ai 17 élèves et j'ai un travail en binôme beaucoup de fois on va peut-être euh, dire ah bon un groupe de trois vous vous mettez en 3 oui. le stratégie que j'utilise maintenant c'est de faire um, soit un groupe de trois ou un élève travaille avec moi mais si je fais le groupe de trois je commence avec eux, c'est-à-dire je dis Marc, je veux que tu travailles avec Jeanne et avec Eva, ok? Vous trois. Et après deux, 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 deux. Parce que avant ce que je faisais, je faisais deux, 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 deux. Ah Marc, Jeanne, Eva, um, bon, est-ce que tu peux travailler ensemble tous les trois? Et eux, ils avaient la sensation que ils faisaient pas bien l'activité parce que je m'étais trompé. Et ils avaient trois. Si on commence avec les trois, ça fait. Ils se rendent pas compte que c'est un groupe impair. C'est-à-dire, c'est une, une petite astuce, mais ça fait un peu que c'était tout planifié comme ça. Um, autre astuce pour les activités d'expression orale. Une chose que j'ai eu beaucoup de succès. C'était surtout avec des classes que vous voyez là l'image là les chaises un à côté de l'autre que les élèves sont pas face un à l'autre ça ne donnait pas facilement pour faire l'activité la, en binôme c'est-à-dire qu'ils étaient, euh, étaient pas bien comme ça donc j'avais un truc que je disais en anglais speaking stations les postes de parole traduit en français c'est-à-dire je les obligeais à se tourner dans leur chaise comme ça. S'ils étaient en rang, comme dans une salle d'université, c'était soit derrière avec la personne derrière. Des fois, je disais, la poste parole aujourd'hui, c'est debout. C'est-à-dire que quand on se mettait en position corporellement comme ça, pour, pour, pour eux, ils savaient que là, maintenant, je vais parler avec mon partenaire. Avant, ils étaient à côté, l'un à côté de l'autre, en train de parler comme ça, mais ça ne s'apportait pas bien à faire l'activité que je voulais faire avec eux. Donc, rien que de se déplacer un peu, de se changer la position de chaise, de se mettre debout et mettre l'un devant l'autre, ça change un peu le dynamique dans la classe. Comment ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je vais trop vite? Je suis conscient que je parle très vite. Parfait. Ah, OK, bon. Alors, ça va, tout bien. OK, très bien. Um, je voulais partager un ou deux styles d'activités en binôme, là. Avant de parler un peu de online. Des activités de travail en binôme que j'aime faire. Par exemple, les questionnaires. Ça, c'est un que tout le monde a. Vous avez toujours des questionnaires. Euh, ils ont besoin de demander des questions l'un l'autre. Moi, j'aimais faire un où j'écrivais pour eux 10 questions. Je les numérotais mais avant, et je le mettais sur un diapositif comme ça, mais avant le, le, le il travaillait en binôme, A, B, je disais A, ah, il faut choisir un numéro une fois qu'il a choisi le numéro, il disait A, B, je mettais les questions sur le diapositif et B demandait les questions que A avait dit et après je, je mettais en blanc le diapositif comme ça ou en noir, je disais maintenant A ou B choisis un numéro, A tu vas demander les questions qui correspond au numéro. Alors, c'était des trucs comme ça. Des fois, j'avais des papiers avec des numéros dessus et les questions étaient derrière. Ils devaient choisir un numéro. Rien que l'activité donner quelque chose de simple comme ça, de choisir un numéro. Ça faisait qu'ils avaient plus l'impression d'être en contrôle de l'activité. Au lieu de, par exemple, dire demander tous les 10 questions un après l'autre. Ça, ça se faisait un peu plus aléatoire. Un site web que si vous voulez utiliser qui est vachement sympa, c'est pickerwheel.com. Pickerwheel, Picker Wheel, ça fait un roue qui tourne. Comme ça, tu, tu le vois là sur mon diapositif. Um, et tu peux écrire ce que tu veux sur les différents trucs du, euh, de la roue. Oui. Alors, pour moi, j'ai mis les mots de question. Uh, ici, en français, c'était où, comment, pourquoi, qu'est-ce que, combien, quand, qui. Et les élèves en binôme passe l'un à l'autre ou debout. J'appuyais sur le bouton qui dit spin au milieu, ça tourne, ce, ça c'est gratuit, ce, ce site web, c'est très facile à faire, ça tourne, ça fait un, un bruit, et après ça tombe sur comment. Alors les élèves, ils avaient besoin de faire une question en commençant avec comment, etc. Et après, euh, peut-être un élève venait donner au, et, et faisait aller le bouton spin et ça tournait, il y avait une autre question. Alors ça c'était on peut mettre des mots de questions ou des questions entières, on peut avoir euh, plusieurs questions 4, 5, 10, 12. Une autre alternative à des questions pour des choses que je commençais à utiliser c'était des phrases. c'est à dire généralement par exemple cette activité qu'on voit ici c'est une activité avec des conditionnels. Si je pouvais... Voyager n'importe où dans le monde, où est-ce que, est que j'irai? Ouais. Mais au lieu de faire des questions, ce que je faisais, c'était des phrases comme ça. Et je donne un bout de papier où il faut écrire le nom du partenaire. Alors, par exemple, si je faisais avec Séverine, j'écris le nom Séverine là en haut. Après, moi, je dis aux élèves, vous ne pouvez pas parler encore. Il faut penser ce que votre partenaire va répondre. Alors, moi, je vais penser à ce que Séverine pourrait bien répondre. Alors, je, en connaissant Séverine, je dirais, si je pouvais voyager n'importe où dans le monde, je voyagerais à Thaïlande, par exemple, ou à Mumbai. Il y a quelqu'un d'ici de Mumbai. Si je pouvais parler une autre langue, je choisirais de parler chinois. Alors, je remplis tout ça pour Séverine. On ne parle pas là en ce moment. Après, on se met en position, poste-parole. Et je lui lis la phrase et elle me dit si euh, j'avais raison. Et en même temps, elle lit la phrase pour moi et je lui dis si on avait raison. Alors, c'est une alternative à faire des questions, que c'est aussi sympa si les gens se connaissent un peu. Ça, c'est une fois qu'ils se connaissent, ça, ça marche un peu mieux, celui-là. Ah, J'aimais beaucoup, voici un autre exemple d'une activité convergente, une activité très facile. Par exemple, celui-là, c'est du vocabulaire. Je faisais une chose comme ça où les instructions c'était je vais vous montrer des images pendant 15 secondes. Essayez-vous de souvenir de tous les éléments sur les images. Après, celui-là, je faisais beaucoup en zoom. Je mettais dans les breakout rooms après. Ils devaient essayer de dire l'un à l'autre tous les éléments dont ils peuvent se souvenir. Si on était moins nombreux que 253 qu'on est maintenant, je vous aurais mis dans le groupe là, mais je vous montre le style de photo que j'avais fait. Et ça, c'était des images que j'avais trouvées en Google, comme ça, ça, ça était un peu le vocabulaire, il y avait des éléments du vocabulaire. Alors, je leur montre ça 15 secondes, et après, en binôme, j'enlève, comme ça, et ils doivent dire, doivent dire entre eux ce qui se rappelle. Ça, c'est ce que j'appelle une activité à très faible risque, convergent, c'est pas trop personnel, c'est Facile à faire avec un groupe qui ne se connaissent pas très bien, qu'on veut leur habituer à parler ensemble, un peu comme le 1, 2, 3, 1, 2, 3, activité avant. Lecture en voix haute. J'avais fait cette poème de Jacques Prévert avec un groupe de fleurs et ils ont beaucoup adoré. Alors, on, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça avec des binômes. Par exemple, je choisis un petit texte. Ça, c'était un petit poème. On l'écoute peut-être ou je le lis à voix haute, ou tout le monde, le, oh, ils, ils ont une chance de le lire. Euh, S'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, on va, on, va faire, on va faire le vocabulaire. Et après, en binôme, je mettais des lignes en différentes couleurs, c'est-à-dire A et B. A, tu es les, la, les lettres en noir, et B, tu es les lettres en rouge. Alors, une personne, il a mis le café, l'autre qui dit, dans la tasse. Moi, je dis, il a mis le lait. Dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait, etc. Ça c'est la première fois. Alors ils font ça en binôme et après je montre ici. Je dis le noir c'est A. Ce qui est en jaune, vous allez les dire tous les deux. Alors moi, il a mis le café. Après tous les deux ont dit dans la tasse. Il a mis la, le lait dans la tasse à café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Après B va faire le rouge avec la petite cuillère. Il a tourné. Il a bu le café au lait. Et alors, on le lit, c'est des différentes façons de le lire un texte ensemble. Surtout, ça marche bien avec des paroles de chansons, des poèmes, des choses comme ça. La lecture en groupe de deux, ça, 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 peut, ça peut marcher très, très sympa aussi. Vous comprenez là les activités que je sais? OK. Bon, je voulais aussi parler d'un autre, avant de parler d'online. De je vais aller très vite là et je vais partager un ou deux trucs d'online et après on va, on va finir. Um, une des choses que vous avez sûrement, c'est uh, des petits dialogues dans votre, euh, dans votre livre. Par exemple, de faire le shopping ou un dialogue chez le médecin ou des trucs comme ça. Une chose que j'aimais beaucoup faire, c'est si les élèves écoutaient un dialogue, après je veux qu'ils le lisent ensemble. Moi, je, avant, je voulais toujours. Je, je, je réveille de pouvoir faire un dialogue qu'on pourrait le faire dans un restaurant même. Mais bien sûr, je suis en classe, je ne suis pas dans un restaurant. De faire le dialogue de restaurant, il faut qu'on fasse semblant qu'on est dans un restaurant. Ou faire le dialogue de shopping, de faire semblant qu'on est dans un magasin. Mais là, ce que j'ai commencé à faire, c'est prendre des images, de les mettre en grand. Là, par exemple, le magasin, on va, on va, ça, c'est une situation de prêt-à-parler. Euh, ils ont besoin de faire une scène d'essayage de, de costumes. Et après je mettais l'image en grand dans la classe ou dans le zoom comme ça. Et après, il, deux élèves venaient devant la classe et commençaient à parler avec ça derrière. Ou dans le zoom, je laissais ça grand dans le zoom. Il y avait deux élèves qui faisaient le dialogue et on le voyait ça. Et je commençais à faire une collection d'images grandes que j'allais mettre comme ça pour tous les dialogues que je donnais en classe, que des images de parc pour, ou de, de rue de ville pour demander des directions, euh, de de magasins, de restaurants, de cafés, etc. Et en le mettant en classe, c'était là qu'on faisait un peu nos dialogues et notre activité en binôme avec ça de fond d'écran. Um, voici un exemple encore de prêt-à-parler où, euh, voilà l'exemple ici, à deux, choisissez un spécialiste, tournez-vous et jouez la scène de prise en rendez-vous au téléphone. Ou... Dans ce cas-là, pas rendez-vous au téléphone. Moi, je, je l'avais mis, celui-là, qui devait expliquer ce qu'ils avaient. Ils étaient dans la cabine du médecin, ici. Alors, je mettais ça au fond et ils devaient faire leur jeu de rôle. Même s'ils étaient assis l'un l'autre, ils voyaient ça en grand sur l'écran. Alors, ça faisait plus l'ambiance de on est dans cette position-là. Je voulais finir avec euh, certaines. Astuce que, parce que bien sûr, pendant la pandémie, on a beaucoup fait tous des classes online, des classes euh, en Zoom, en Google Meet, etc. Euh, les deux façons de travailler en binôme, c'était, euh, ça avait été beaucoup étudié. Les breakout rooms, mais ça c'est une façon. Il y a un autre qui s'appelle en anglais open pair work ou les binômes ouvertes. Les binômes ouvertes, c'était un peu comme les gens, je crois, quand moi j'ai appris le français dans les années 70, le professeur faisait beaucoup le binôme ouverte. Le binôme ouvert, c'est quand le professeur dirige tout. C'est-à-dire, il disait, l'INSEE demande à Raphaël la question. Et je demandais, il dit, Raphaël, répond à l'INSEE. Raphaël, demande la question à Stéphanie, Stéphanie répond, etc. Ça, c'est binôme ouverte. Et même que c'est vieux comme méthode maintenant, peut-être, ça, ça ça, marchait très bien dans les classes de Zoom parce que c'était facile de nominer et que les gens faisaient comme on était tous ensemble comme ça. Les binômes fermés étaient quand on est tous les deux ensemble, le professeur il est là-bas, et ça, c'est par exemple en ligne, le breakout rooms. La technique du bocal, alors c'est une, une technique pour faire les binômes ouverts online. Et dans ce cas-là, c'est, si vous voyez autour de moi, il y a une petite ligne verte, non? Vous voyez ça autour de mon, mon écran? Ça, en anglais, c'est le spotlight ou le pin. Et si vous mettez, si dans votre zoom, je je crois pas que vous pouvez le faire ici, mais dans votre zoom, si vous regardez les trois petits points en haut. Il y a une chose qui ah moi je l'ai pas parce que je ne suis pas le, le host de ce truc là mais tu peux mettre ça autour d'un élève et d'un autre élève tu peux faire un tu peux faire pin pour que les deux apparaissent là devant tout le monde et là il peut faire une activité et que la technique du bocal c'est que tout le monde regarde deux personnes faire l'activité c'est un peu comme ces deux poissons dans un bocal par exemple voici on désigne deux apprenants pour faire une activité en binôme ouvert. Ça, c'est dans Zoom, tout le monde ensemble. Sur Zoom, on utilise la fonction Mettre en évidence. Ah, je crois en français, c'est ça, Mettre en évidence. Ou PIN, si le Zoom est en anglais. Et ça fait la ligne verte. Comme ça, tout le monde sait qui c'est, le A et B. Les apprenants font l'activité, le reste du groupe observe et se voit confier une tâche. Par exemple, écrire tous les mots du vocabulaire qu'on a appris dans la classe, tous les mots que vous entendez qu'ils utilisent du vocabulaire qu'on a appris aujourd'hui. Les discussions, les, les restes du groupe réfléchissent à leur propre réponse. Après, je change. Un élève, j'enlève le pin et je mets un autre. Je dis, vous allez répéter, mais vous deux maintenant. Um, dans les salles de répartition, dans les breakout rooms, um, je faisais le travail en différentes étapes. Par exemple, la première étape, c'était, je mettais en place la tâche. Alors, comme je disais au début. Le problème pour beaucoup d'élèves, c'était qu'ils ne savaient pas quoi faire. Et c'était pire online. Dans Zoom, si. Savent... Alors, beaucoup de fois, je faisais en... beaucoup de temps expliquer ce qu'ils allaient faire. Si c'était possible, j'effectuais la tâche avec un élève. Je nominais un élève et je faisais, par exemple, on va se demander des questions, etc., etc. Après, eux, ils faisaient la tâche et je disais, après, vous allez devoir me faire un petit rapport pour dire comment ça a été. C'est-à-dire, moi, j'allais visiter, mais. Une partie de la tâche c'était en retournant ensemble, il devait être préparé que j'allais demander bon comment est-ce que ça a été pour vous qu'est-ce que vous avez fait combien de questions vous avez répondu etc. Et là je donnais mon feedback les corrections si j'entendais des erreurs etc. Voilà et aller plus loin c'était peut-être refaire la tâche une autre fois avec un différent binôme et le faire plus long long ou faire plus de phrases ou plus d'activités. Une que j'utilisais souvent, c'était par exemple d'écrire et dessiner. Dans cette activité, je prépare un simple image que je dessinais comme ça, avec des différents éléments, par exemple la lune, une montagne, une rivière. Après, je dé... pardon, avant de le montrer, je décrivais l'image. Eux, ils devaient écouter et dessiner ce que je décrivais. J'ai demandé à tout le monde d'allumer leur caméra, s'ils n'étaient pas allumés déjà, et ils devaient montrer les images et comparer avec ce que moi je montrais après. Une chose que j'ai remarqué, c'est le travail en groupe et tout ça, si on dessinait, on montrait quelque chose, tout le monde prêtait de l'attention comme ça pour voir ce que les autres avaient écrit, dessiné, etc. Après, solo, seul, les élèves font leur propre dessin en reprenant certains éléments. Faites votre propre dessin maintenant pour 3-4 minutes, éteignez votre caméra, dessiner quelque chose il doit avoir un lapin un champ une rivière un arbre dans le break room la salle de la répartition ils devaient faire ce qu'on venait de faire ensemble dicter le dessiner le dessin comparer leurs dessins et après en revenant tous ensemble je demandais euh, aux gens ce que ce qu'ils avaient ce qu'ils avaient vu je suis conscient qu'on est près de la fin um, je voulais terminer avec une dernière activité. Oh, non, celui-là, non. Je vais terminer avec une dernière activité. C'était de dialogue, que ça marchait toujours très bien. Et après, je prends vos questions. J'aimais beaucoup marcher, travailler avec des dialogues parce que ça se porte très bien pour le travail en binôme. Une que j'utilisais en Zoom, par exemple, c'était de donner une image grand comme ça et un dialogue avec des bouts qui manquent. Par exemple, A demande, excusez-moi, vous avez une minute B, oui, bien sûr, en quoi puis-je vous aider Merci, je cherche. Et après, A doit dire quelque chose qu'il cherche dans cette image-là. C'est-à-dire, ils sont dans un supermarché. Je cherche euh, des petits suisses. Et B ne comprend pas. Alors, B dit, veuillez m'excuser, je n'ai pas compris quoi Et A doit donner des détails. détails. Ah, les petits suisses, c'est comme des petits yaourts, c'est tout petit, en rose, blanc, etc., et B, finalement, on va dire, ah oui, je connais, c'est euh, dans ce rayon-là, au fond, à côté des yaourts ou à côté des fromages. Alors, je pratique ça avec un élève. Les élèves le font en binôme. Après, ils ont vu ça, mais maintenant je change l'image. C'est le même dialogue. Euh, vous avez une minute, je cherche quelque chose, mais là, je change l'image, ça devient une image d'une rue. Ils font le même, mais maintenant ils ont besoin de donner quelque chose d'autre différent. Je donne le même dialogue. Maintenant, c'est une bibliothèque. Alors, on fait ça tous ensemble. Et après, je nomine deux élèves et je mets le dessin en grand. Et maintenant, eux, ils ont besoin de se rappeler le dialogue. Excusez-moi, pouvez-vous pouvez m'aider, etc. Oui, je cherche un. Ah, j'ai pas compris. Ah, oui, c'est ça. Ta, ta, ta. Et après, par exemple, la rue ou la bibliothèque. Bon. Je voulais faire un petit résumé alors d'aujourd'hui. Ça a passé vite une heure. Euh, je voulais commencer un peu en parlant pourquoi ou pourquoi pas faire du travail en binôme. Il y a des raisons pour lesquelles oui et pour non, et des raisons euh, dans les recherches et dans les évocations pourquoi c'est important pour les apprenants de le faire. Je voulais aussi regarder euh, l'origine de certaines activités. Très classique binôme et comment ça c'est, ça vient dans nos méthodes et montrer des choses dans les méthodes modernes communicatives comme ils le font. Partager certaines astuces sur utiliser les binômes en classe et finalement, vous partager avec des, vous des activités, toutes les activités que j'ai pu faire, incluant des activités online qui ont toujours marché pour moi euh, pour du travail en binôme. Merci beaucoup euh, pour la proposition de voyage en Thaïlande. Hein. En effet, tu me connais bien. Je serais bien partie en Thaïlande. Après, euh, merci aux participants pour le partage de vos ressources hein, que vous avez euh, indiquées dans le chat. Donc, c'est euh, tout à fait… Oui, euh, j'ai vu. J'ai vu, j'étais sur un parts. petit écran. Voilà, mais voilà, je pense que les participants aussi ont eu euh, ces quelques idées euh, d'outils numériques euh, voilà, qu'ils ont mutualisé. Donc, c'était bien. Alors, il y avait il y a une, un concept qui est passé qui me semblait intéressant aussi c'était le concept de réalité virtuelle puisque c'est vrai que nombreuses techniques que tu as présentées finalement euh, pourraient être tout à fait euh, utiliser avec une technique de réalité virtuelle. Alors, c'est vrai que nous, au niveau de Maison des Langues, on n'a pas encore trop exploré la non, réalité virtuelle. Non, j'ai pas vu mais... ça encore. Ben, il ne faudrait pas avoir les lunettes voilà, après Voilà, les aussi lunettes, ça demande ça. un équipement et tout <laughs> ça. Mais euh, je dois dire que pour avoir moi aussi euh, participé en présentiel à, à un atelier de l'INSEE, euh, le fait de projeter… Ces images en grand sur un écran, ça produit un effet vraiment de, oui. euh, très dynamisant dans la classe. Et je me souviens encore d'une expérience. C'est vrai. Un... Ah. Je, je veux souligner aussi ce que Séverine veut dire vient de dire parce que c'est complètement vrai. Parce que aussi, quand nous, les professeurs, on fait les PowerPoints, on a une tendance de mettre les photos petites pour avoir ouais. plein de mots autour ou des trucs. Ouais. Et rien qu'en faisant cette photo énorme, pour les élèves, ils voient ça et ça, ça, ça réveille vraiment la classe. Oui, Essayez, oui. vous allez voir. Oui, oui, c'est excell excellent. Et puis voilà, finalement, c'est l'idée qui compte. Et euh, avec un petit plus, on arrive à, à créer une dynamique d'échange dans la classe et peut-être que réalité virtuelle, oui, mais on, déjà, avec les idées que tu nous as partagées, je pense qu'on qu peut faire des choses déjà très intéressantes. Alors, seulement deux petites choses. En fait, par rapport à ce que tu expliques de travail en binôme, travail en petit groupe, tout ça, il y a quand même une euh, certaine crainte euh, des, des participants, de deux participants surtout, euh, pour voir vraiment comment on l'applique en grand groupe. J'ai notamment une personne qui dit, voilà, j'ai 43 élèves en classe et euh, oui. j'ai peur de ne pas pouvoir gérer parce que ça va faire beaucoup de binômes, beaucoup de groupements oui. en, de trois personnes. Oui. Est-ce que tu aurais un dernier conseil justement avant Un dernier conseil, alors pour les grands groupes, parce que moi j'ai appris à donner des j'étais au Mexique, mes premières classes étaient au Mexique, j'avais 50 élèves adolescents. Ah. J'avais un peur monstre de faire, de travail en binôme parce que je pensais que je ne vais jamais pouvoir les contrôler. Effectivement, c'était très dur. Je trouvais que faire des, des activités petites et au début, et qui sont plus fermées, c'est-à-dire euh, convergents, comme je disais, cest le de, de compter, de voir le numéro de photo, de, de dire ce qu'ils disent après des questions très. Euh, des tâches avec des instructions très spécifiques. Il faut demander trois questions en, ensemble et donner trois réponses. Il faut mm -hmm. trouver cinq mots. Il faut, il faut répondre à deux choses. C'est-à-dire. et après pouvoir dire. Vous avez fait les deux ou trois, etc. Et euh, j'ai aussi appris au long des années que quand on est 40 ou 45, ça ne va jamais être possible de tout contrôler, tout le monde, mm -hmm. ce qu'ils font. C'est-à-dire, je circule et je dois avoir un peu confiance qu'ils ça, ça, que, que, qu le fassent. Je mm -hmm. circule et je vois. C'est le même problème que les gens ont eu avec les breakout rooms. Ils ont ouais. toujours eu peur que les gens ne vont pas le faire. Mm -hmm. Mais euh, si, je crois que les bénéfices d'essayer de le faire sont plus que des risques quand certains ne le font pas. Mais c'est vrai que le manque de contrôle, je dirais euh, des instructions très précises, des, euh, des tâches très précises à faire, pas simplement parler de ça ou faire l'exercice des trucs euh, avec des chiffres, ouais, par exemple, vrai. trois oui. phrases, cinq mots, etc. Mm -hmm. Ça aide un peu pour, pour, mm -hmm. pour garder le contrôle. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Lindsay. Je crois que tu vois parler messages qui apparaissent dans le chat, que tout le monde te remercie infiniment pour tous ces conseils. Euh, pour les personnes qui n'ont pas pu... Euh Enfin, qui ont manqué une partie de la présentation. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, la rencontre virtuelle FLE est enregistrée. Donc, juste le temps de faire un petit montage et donc on mettra le replay en bon français, <laughs> le replay de la, enfin, la vidéo euh, sur notre chaîne YouTube et aussi sur l'espace formation de notre espace virtuel. Et on mettra aussi à disposition euh, le PowerPoint en version PDF sur notre espace virtuel voilà donc soyez attentifs à votre email à partir de maintenant puisqu'on va vous envoyer donc votre certificat d'inscription un petit questionnaire de satisfaction visant plus à évaluer les aspects techniques de ces sessions de formation vous allez aussi avoir un formulaire pour demander un code démo de trois semaines à la collection et niveau que vous souhaitez tester. Par exemple, l'INSEE a fait référence à notre méthode Prête à parler. On a les niveaux 1 et 2 de disponibles à présent. Enfin, on aura le B1 l'année prochaine et le B2 en 2025. Donc si vous voulez tester Prête à parler, qui vraiment l'objectif, d'ailleurs le slogan le dit, hein, pour apprendre à parler naturellement très rapidement, oui, c'est très pouvez... communicatif. Beaucoup d'activités en binôme. Voilà, donc vous pouvez demander, vous aurez un petit formulaire. Vous utilisez ce formulaire, vous précisez j'aimerais avoir un code démo de prêt-à-parler 1 ou 2 euh, et donc vous recevrez un code que vous pourrez activer sur l'espace virtuel et pendant trois semaines, vous pourrez feuilleter l'intégralité du livre, l'intégralité du cahier et euh, consulter aussi toutes les ressources complémentaires qu'on a mis à disposition pour utiliser au mieux prêt-à-parler. Donc voilà et surtout ben, merci l'INSEE, le prochain rendez-vous… Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'offre éditoriale des éditions Maison des langues, c'est la semaine prochaine, le 4 octobre, avec Amandine Quettel, qui interviendra autour de la grammaire, euh, comment la grammaire est abordée et traitée dans nos méthodes, et aussi euh, toutes les ressources pour travailler la grammaire avec des outils un petit peu plus dynamiques, comme peuvent l'être les gramma clips, les tutoriels de grammaire qui sont disponibles sur l'espace virtuel. Donc voilà, on reste en contact. Merci beaucoup, merci encore infiniment, Lindsay. Euh J'ai encore euh, eu envie de, tu as encore toujours, toujours des idées nouvelles, donc j'ai encore plein de choses. Alors d'ailleurs, j'ai vu un des participants qui disait qu'il avait envie de te piquer toutes ces idées. Donc c'est pas les piquer, c'est euh, juste. Allez-y. Piquer, piquer tout ce que vous on voulez. <laughs> Et donc, euh, voilà, on mettra euh, que chacun reparte. Enfin, c'est vraiment très bien que chacun puisse repartir avec une idée d'activité à, à faire en classe. Euh, voilà, dès aujourd'hui, si les personnes se sont connectées euh, depuis euh, euh, le continent américain ou d'Amérique latine, et pour eux, c'est le matin, ou demain matin, pour toutes les personnes qui se sont connectées plus tard, oui. euh, depuis l'Asie. Merci donc, beaucoup, ouais. ce, surtout ceux pour lesquels ce c'est très tard. Mumbai, oui, bah oui. Tokyo, ouais, ouais. je crois. Il a, ouais. bah, merci. Tu merci vois, hein, de les, professeurs, hein, les professeurs euh, aiment se former, ils veulent toujours apprendre plus, enrichir leur pratique de classe. Tout pour le métier. <laughs> voilà, c'est un plaisir que tu aies pu euh, les aider euh, en ce sens. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Et puis à très très bientôt.